été mal bossé, nous interprétons comme les téléviseurs, vous êtes présenté à Bayimbo Kaba pour comprendre aux Aïlani. Dire que Bayimbo Kaba. Je ne sais pas, quoi. Congolais, peut-être. Mais tu vas les prouver par les vies. Tu verras qu'ils connaissent ce qu'ils ont à faire. Mais ce qui peut-être n'est pas dans les cas, je ne sors pas quand puisqu'il faut sortir. Je ne parle pas n'importe quand. Okay. Puisque mon mentor, tu sais qui est Étienne, ne parlait pas tout le temps et a besoin de rien. Je sors quand il y a les choses qui m'intéressent. Okay. Ou quand l'actualité est chaude. Je peux me taire même 6 mois. Même 3 mois, demandez aux amis. Et quand vous allez balancer l'image, vous verrez combien ils vont dire que nous connaissons les évangélistes de la bouche autorisée. Il y en a qui ne m'appellent pas chez lui, ils me connaissent. Et je crois que ça, c'est pour vous. Merci beaucoup pour les évangélistes. Mais on va comprendre où ils vous allez. Peut-être que tu as mentionné que tu as dit que tu as répété ton casque de Congo. Bonne nuit. Je vais vous dire pourquoi tu dis que tu es bien. Dure que tu es bien. Peut-être yo. Est-ce que vous démontrez que tu es bien dans certains moments? Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire. Si je dis que tu es bien, je vais comparer le passé et le présent. Mais je ne dis pas que tu es commis la perfection totale. Là, je m'assume. Peut-être cette nuance, peut-être vous amènera à comprendre ce que j'ai dit. Bon, monsieur, pour le bac, mais le bébé de Tambola bien. Peut-être à un moment, il des amis. Ici, moi, pas ses amis. Pourquoi le bébé de Tambola bien? Je dis le Tambola bien par rapport au passé. Si vous comparez les passés, si vous comparez tous les régimes, l'union soyez qui, actuellement, vous allez comprendre que les avancées significatives sont très importantes. C'est dans ce sens que je vous dis que Mboka et le Tambola. Voici par exemple aujourd'hui, les opposants viennent de faire leur marche. En paix. C'est une marche presque de santé. Gaz lacrymogène, mon vitalité. Mbambou Baki quitté. Mouton profité. Mouton zokité. Aboumissi téléphone était. L'état de droit est en marche. Lorsqu'il y a des éléments comme ça, les avancées comme ça, les opposants sont libres aux médias et partout. La liberté d'expression. Déjà par rapport à la bicicleta, quand je marchais, je ne passais pas nuit chez moi. Autrefois, l'opposition, quand je marchais, j'étais obligé de me cacher, j'étais obligé de fuir la ville, peut-être de retourner au village, poursuivre pendant beaucoup de temps. On va vous lancer des avis de recherche, des mandats de comparution et consorts, seulement pour la seule cause que vous avez marché. Et aujourd'hui, quelqu'un qui marche, il finit à marcher, à vendre, à zomber la sucrée, à zomber la maille, à zomber la bière. D'abord, la liberté. Pour Nabato, il fallait la vie, la liberté. Nous, les anciens, prisonniers de la cause, tout le monde passe pour Nabato, tout le monde avantage la liberté. Liberté, cher journaliste, et copé, ça y est. Donc, même Dieu reconnaît que la liberté, ils ont franchi le monde. Et copé, ça y est, consommé, au van, il y a santé aux hommes. Quelqu'un qui est libre, même sans manger, à l'équipe moto, est allié, mais il n'est pas libre. Donc, à observer cette liberté déjà. Pour l'anglais, c'est déjà quelque chose de grand. Moi, je t'envoie déjà. Et ce n'est pas rare dans des pays comme ça. Nous qui venons de loin, demandez, chers journalistes, aux Congolais qui ont vécu dans ces temps, pendant la période de Marcel Mobutu. Demandez aux Congolais aïrois, ils vont vous dire que marcher contre Mobutu, parler en mal de Mobutu, dire les moindres mots qui n'étaient pas à l'honneur du maréchal, des entraîner la mort. Mais aujourd'hui, sur la lieu, tu vois, on n'est plus le chef de l'État, ils sont libres, ils sont en paix, ils chantent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Le chef vous dit, oui, c'est ça, la démocratie que nous avons cherchée. Nous nous sommes battus 37 ans pour la démocratie, acceptons-le. C'est ce qui me pousse à vous dire que nous sommes battus 37 ans pour la démocratie. Moi, je veux dire que vous avez dit par rapport à passer, par rapport à l'Ebro. Demain, par rapport à passer, Joseph Kabila, ou à Benoulo, c'est un tas à vie. Après, quand tu as fait le Congolais, la grève modèle, tu as fait la classe, tu as raté dans plus ou moins 3 mois, 4 mois. Je sais comment la période de la classe, parce que vous avez la grève modèle, la poète. Je sais que tout ce au moins la F de la ville, parce que comment dire, l'autre malgré ta décèche, mon amour. Est-ce que Joseph Kabila a déjà permis à ce que la glace soit gratuite? Quand vous vous référez à. Ah, permettez-moi de parler de ma poquée, ça l'a quitté. Quand vous voulez. Quel manque qui peut me quitter quoi?
Ce n'est pas le même pays. Vous allez me convaincre aujourd'hui que le diamant devient autre chose, l'or de l'autre fois, c'est autre chose. Au contraire du temps des Kabila, la MIBA a fonctionné, la Jigamine a fonctionné, Sengamine, et autant d'entreprises publiques, le pays était géré par un seul parti côté. Il avait même l'alliance de la majorité et tout le consort. Donc il était seulement capable d'appliquer la loi. Et aujourd'hui, et que la loi est appliquée, la gratuité de l'enseignement est effective. Il n'y a que les ennemis du peuple congolais qui s'engagent comme ils sont contre une personne, comme Balingi parti politique, Mokobo était, lui est UDPS. Non, mettons les bâtons dans les roues. Comme ça, tout le temps, il s'était. Pourquoi toi, tu es fonctionnaire? Moi, je suis fonctionnaire. Donc, pourquoi deux poids, deux mesures? Yo, Lingi, statut, Mokobo, il y a un dingue, on doit vous payer vous autrement, vous ne pouvez pas autrement, dans quelques années, dans quelques jungles comme ça. Je vous dis, et là où ils ont les cas, il y a grève aux hommes, on a grève sauvage, Oyo. Il s'agit d'une mauvaise foi exprimée par l'Église catholique et la personne de M. Ambongo et tous les clubs des chefs et consorts qui complètent contre la République, qui ne veulent pas du régime, qui ne veulent pas que les mandats, les quinquennats soient traités avec succès, comme ils savent que la gratuité, c'est-à-dire un atout, un parent qui paye pour son enfant. $300, $500, vous en avez 5. Nous sommes les Bantous, nous restons Bantous. Nous avons beaucoup d'enfants, nous, Congolais. Imaginez-vous, vous en avez 10, vous en avez 5, vous en avez 3. Et vous devez payer $1,000, $2,000, $3,000, $5,000 lorsqu'on vous lance la gratuité. Tout cet argent que autrefois vous aviez à dépenser pour vos enfants, pour les étudier, ça devient déjà votre argent. C'est déjà un grand pas qu'on va marcher. Un parent vraiment sage, cet argent va le servir à autre chose. Ça peut lui permettre même à payer, même la passer, mais pas autrefois. Il peut aller plus loin pour payer un terrain vide. Il peut aménager, il peut tout faire. C'est seulement avec ça. La gratuité, c'est déjà le moyen accordé aux parents. Et les ennemis du peuple congolais ne veulent pas qu'elle conserve, que le peuple se retrouve. Puisque ceux qui déjà gagnent dans la banque 5, banque 10, je paye 500, ça fait 2500. Et que je ne paye plus jamais. Bon, on est commis en gaille pour n'en monter vie. Et celui qui est contre moi, il va faire quoi? Il va émerger. Il faut attaquer cette histoire pour avoir bon. Il faut attaquer pour n'avoir pas battre. Il faut attaquer, il faut attaquer, il faut attaquer. Donc vous allez voir que les alliés Motemabe qui existent quelque part. Vous savez, mon frère de catholique, j'ouvre les parenthèses. Ce n'est pas la première fois. Nous sommes expérimentés avec cette église depuis même l'époque coloniale. L'église catholique est un moyen de vie. Il a dit Baïbo Kaba qui n'a alternance à Kitoko, tout le monde a gagné des sauts de quota, tout le monde a marché pour nous dire la cabine, nous avons dit. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Le 200 de Syrie, puisque Kabila a bénéficié depuis 2016 jusqu'en 2018, il a laissé sous la position de qui? Vous savez que nous, d'avoir eu des personnes, nous sommes au regret de constater que notre mentor, James Tshisekedi, qui devait aller se faire soigner en Europe, a été retardé avec la fameuse accord Saint-Sylvestre. Qui devait traîner, non, il y a les 27, il y a Noël, il y a Bonne Année, ils sont retournés jusqu'à ce que la santé est devenue plus pire. Et si vous vérifiez même parmi eux, l'un de leurs, vous ne savez pas, Willy Michel avait dit autrefois que ce qui parle va être en cercle. Il avait la précision que quand on a dit, on l'a freiné, c'est tard, il n'a pas de se faire soigner. Vous savez, bon, vous risquez de réveiller encore les nez qui sont déjà endormis, mon cher ami. Vous vous souvenez de l'Église catholique. Cette Église catholique, même dans le temps où il y a colonisation, au moment où il y a un bafou, il y a un bon qui a résisté, il y a un bon qui a un bon monté. Au moment où il y a Belgique, il y a un bon qui a un colonel, il y a un général, il y a un major. Il y a un sang. Aïe, il y a un passe catholique. Ils ont créé une église. En 2011, ils ont créé une crise. En 2018, ils ont créé la crise. Nous avons compris que les alliés églises ne vont pas créer la crise. Sauf que les effrandis allaient changer d'homme comme ils sont pacificateurs. Comme que de camp ou de camp, ils ont tous les effrandis attirés. Tous les effrandis, les églises catholiques, tous les soumettants,
ce que nous avons vendredi, nous avons dit qu'il y a des pères et des minots. Parce que pour ça, on a de la base. Bon, 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 dit que de la base de 15 ans. Je ne sais pas, on a commémoré journée de 15 ans sur les années cinématiques tout ça. Donc, ce qui nous donne l'émission que je vous en parle, c'était à ça pour vous l'aider. N'a-t-il je vous dis. Parce que pour vous l'aider, nous avons dit que jour, moqué, il y a des jours où imagine toi, cher journaliste, on dit que ça va m'aider, puisque le côté de l'autre, la langue parle de la maison. Il va comprendre. Alors, imagine-toi, Bissoy de Bess, rassemblement, Bato, Bayimboka, ba politique, Tokenda, en Afrique du Sud, pour un candidat comme meilleure opposition. Et les critères ont donné, vous le savez, les critères ont donné, tu sais qu'elle fait, tu sais qu'elle dit. Un temps plus tard, les ennemis de notre peuple, Bako Sangana, Bakena Genève, je sais que de Kuna, tout est pour le score. Mais il y a déjà une carrière de Tokyo de semaine. Pour convaincre Bissot, Basse Tosséde, président de la République, autrefois, notre zone du parti, accueillit à Genève. Comme on à Genève, à côté Kuna, il y a eu un complot très terrible. Voire même des côtés tribales à l'intérieur. Bah, ennemi à peuple congolais vont dire non. Si on donne la chance à Tshisekedi, alors comme un candidat comme à opposition, à condimenter que c'est au foulier mon peuple, il va dire je compte sur ma base. Base va baisser le pouvoir. Cherchons un candidat qui ne pèse pas, qui vient du néant, qui n'a pas un soissement, qui n'a pas une base solide. Topé ses chances. À comme un candidat commun de l'opposition. Comme ça, ceux qui a l'équipe a violé la constitution. Au lieu de mandat de 5 ans, quand il en a fait 2 ans. Ils ont cherché un nom qu'on pouvait accorder à ça. Et non, 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 non. Pardon? Non, non. Martin Fayoulid. Il était Martin Matilid. Président Eli. Hein? Président Eli. Eli la nuit ou la journée? Eli Président Eli avait 70%. Par qui? Par les peuples, non? Quel peuple? Tant que le peuple est à l'aéroport, le peuple est à l'aéroport. Le peuple est à l'aéroport. Oubliez même le passé, prenez même le présent. Le peuple est allé à l'aéroport. Le peuple est allé accueillir le président Félix Tshisekedi. Quand il est revenu, il est venu. Le peuple a gagné la République. Nous, on dit de baisse. Mais où? Toi, la pratique, voilà. Mais pourquoi il est en depuis quand? Et pour toi, pour le gagner, il est venu à mon côté. Et pour toi. Vous me posez ma députée, ma sénateur. Et pour vous, toi. Pour toi, pour toi. C'est vous qui l'avez dit, mon cher ami. Bissa Transco, et que dès qu'une église, il y a un ministère à même côté, c'est pas du contrat, et que vous êtes cabanin. Bissa Transco, et que dès qu'une église, il y a un chapitre de vainqueur, vous êtes cabanin. Vous comprenez? Si quelqu'un a moniqué à cause de Bissa Transco, bon, ça vous m'appelez Bissa Transco, tous les amis de moto qui sont allés avec les motos, on les a trouvés encore. Tous les piétons ont eu moni parce que le paroport, parce que c'est divine, on les a trouvés parqués. Non! Mouton, pour se dénoter, mon cher ami, président Félix Tshisekedi est le plus aimé des Congolais. On l'appelle Maboko Pembe. Vous le savez bien. Il n'a jamais trahi. Vous pouvez le comparer à qui? À Martin Fayoulou. Il n'était pas à l'Assemblée lorsque il dribblé le mandat de 2016 à 2018. Il était là. Il n'était pas à l'Assemblée lorsqu'il y a eu toutes ces bêtises-là des élections, des gouverneurs et consorts. Il était là. Tshisekedi est le meilleur, Maboko Pembe. Le peuple baillé. C'est le temps de remercier les combats de l'IDPS. Le président Eli s'appelle Félix Antoine Félix Chilombo. S'il y en a l'autre, peut-être Eli la nuit, puisqu'on y a dit qu'il y a aussi un esprit qui agit la nuit. Au cours de la boye, l'autre est chef de l'État. Autant on a tapis rouge, Bamour, Bachita, Tabazo, encadré. Mais ce que vous pensez ici, tu remarques qu'on appelle ça cauchemar. Peut-être que vous pouvez parler d'un cauchemar. Alors il n'y a pas cette histoire-là. Mais tant que vous êtes dans la Genève, le président Félix a côté qu'il n'a raté à ça. Il était là. Ils ont cherché même à l'envoûter. Ils ont fait trop de choses. Bah, changer d'homme. Il y a eu des complots. Que non, non. Quand il a commis tout ça, l'élection. L'élection, on a déjà passé. Bah, quand il y a eu, ils vont sortir quand il a commis Martin Fayoulou. Après, présent, vous avez dit que les changements aujourd'hui, c'est Martin Fayoulou. Ah oui. Ça, je vous dis une très bonne chose. Présent Félix, quand il s'exprime, hein, il faut être sage. Oui, bah, qu'est-ce qu'il dit? Il savait qu'il y a eu des baisses. Nous sommes une pyramide renversée. C'est la base qui décide. Ce qu'on remarquait pour preuve, je m'assigne, il avait signé sous réserve, en attendant la réaction de la base. Comme on a dit, mon cause, au Kaka base,
quand là-bas ça a dit N-O-N, il a arrêté sa signature. Et puis, c'est la première fois, attendez-vous. Ils ont commencé salamment. Souvenez-vous, je l'ai dit devant beaucoup de médias. Autrefois, même notre mentor, de ce qu'il disait notre pauvre, il a été autrefois nommé premier ministre par le maréchal Mobutu, par son ordonnance. Tant qu'on a nommé un premier ministre, la base a dit non. Ils ont parlé de thé. Donc, il dépêche ses amis et base. La base est le bac à Bandaka. Non, tu sais que tu es tout le monde. Toi, on ne peut pas te nommer par Mobutu. Toi, nous allons te voter. Il a résisté. Nous allons te voter. Allons dans la conférence, nous allons te voter encore. Je sais que Dieu est allé avec son tilo rouge. Il a retiré chez Mobutu. Comme les mêmes causes, pour les mêmes effets. Quand vous avez arrêté la casse, signature, la nomination Mobutu, à qui est la conférence, va voter 72% par les conférenciers. Demandez aux Congolais, vont vous parler de ça. Les histoires sont là. La même chose que quand fait Tshisekedi va retirer à Genève, il est revenu ici, de voter 7 millions de ça. C'est le même chiffre. Les mathématiques sont difficiles, il faut d'ailleurs des pèses pour comprendre ça. Surtout, ça venait de l'opposition, elle, Martin m'a dit. Kabila, tu sais qu'il va signer par accord. Mais maintenant, lui, il est avec Kabila. Non? Kabila peut lui monter la plus signer. On va arriver là. Kabila va lui monter l'accord. Je vous dis que c'est Nanga qui peut nommer Tshisekedi. Nanga, s'il avait cette chance, si le peuple congolais ne s'était pas pris en charge, Nanga pouvait mettre les chandails. Comprenez un peu les choses. Vous allez me convaincre que les gens beaucoup fois, au Tiki Velonayo, tu vas tester, va payer sa mort. Moi, j'ai un voisin avec qui vous ne vous êtes jamais entendu tout au long de votre parcours. Vous avez l'idée, Tshisekedi Kabila, c'est ce que j'ai entendu, c'est lequel d'accord. Et Kabila va dire à Nanga, non, programmer Tshisekedi. Non, mon frère, le peuple s'est pris en charge. Je vous dis des choses sincères, ma main sur mon cœur. Ce ne sont pas des choses qui sont. Ce n'est pas un enfant qui parle. Je suis rapporteur du collectif des parlementaires de vous. On m'appelle la bouche autorisée. Je vous dis les choses que je maîtrise. Je vous dis jour où on a les 15 et les jours base. Babi Sakamboka. Puisque ce qui m'a dit, il y a un candidat à Martin Fayoul. Après la transition, il y a 2 ans. Après, il y a un candidat multinational. Nous sommes en guerre à l'Est pour demander pour ça. Quel serait le pays? Le peuple a dit non. Le président Félix a retiré sa signature, le pays est sauvé. C'est pourquoi journée à 15 et quelle journée moko commémorable. Toko kanisa jour où on a dit tout le monde qu'on a mis ça, parce que jour moko ezalaka, oyo moka ezaki déjà en danger. Na dernière minute, la base s'est décidée et la base a sauvé la République. Merci beaucoup, mon ami. C'est moi qui vous remercie. Tout le monde a dit que la justice congolaise, ce moment-là, avant, pour la sénateur, c'est pas sénateur aussi, Premier ministre Honoré Matatapoum, a attribué la justice congolaise. Non, peut-être le terme que vous engagez, c'est-à-dire trop fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dans la position qu'on a bien, madame Naki. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour juger en même temps l'ex-premier ministre. Pour les premiers honoraires, les sénateurs. S'il avait seulement dit qu'il était à Kalawana, il est justiciable à la cour. Mais actuellement, son juge naturel, c'est la cour de cassation. Le fait que la cour a dit qu'il est incapable de, ou il est incompétent, c'est par rapport aux attributions accordées à des juridictions que la cour s'est prononcée dans ce sens. Cela ne revient pas à dire que Matata est blanchi, maintenant il y a un copain, mais il ne connaît rien. Non. La réalité est qu'il sera traduit, puisqu'il fait face à la République. Et il sera devant son juge naturel, et vous ferez ma tête à comparaître. C'est ça la raison. Et en plus, on va lever les immunités. Il est allé comparaître avec ses immunités devant la Cour constitutionnelle. Mais, président, tout le monde a demandé, quand je dis ça, le Cour constitutionnelle a la probabilité. Au sein de sa présidente de la République et le premier ministre en fonction. Mais la Cour de cassation a un droit au sein de sa sénateur, on dirait, le premier ministre honoraire, parce que sur le plan juridiction et la Cour
de cassation et puis c'est un exemple au sein mais il y a au sein de premier ministre et le fait qu'ils lui sont reprochés par rapport à ses qualités tantôt premier ministre honoraire tantôt sénateur mais ce qui est en exercice c'est quoi c'est sénateur oui il est le sénateur est poursuivi pour les faits qu'il avait commis autrefois lorsqu'il était premier ministre. Ok. Est-ce que vous comprenez bien? Mais ses qualités présentes lui accompagnent. Et il est allé combattre avec ses immunités. Au moins, qui autrefois, pourquoi il a relevé une immunité par ses amis, frères, puisqu'ils n'ont pas voulu qu'ils puissent combattre. Cette affaire, ça va aller très loin. C'est une affaire dans laquelle beaucoup de gens sont impliqués. C'est pourquoi il y a même des cales de gauche à droite, mais aussi en disant que la justice a un chef suprême. Et ça serait quelque chose. Nous croyons que tout n'est pas encore totalement parfait, mais le poisson commence à pourrir par la tête. Comme la tête, c'est fait, c'est ce qu'elle dit, les choses vont aller. Oui, mais poisson a quitté le chef de l'État, a aussi pour empêcher le candidat président en 2023, comme les Matata Ponyo. Il les empêche comment? Oui, monsieur le chef. Le chef de l'État qui accepte que. Ceni et Salah Moussala, le gouvernement qui dispose des moyens. Le gouvernement qui dispose des moyens pour la CENI. Qui a imposé? Vous avez fait des preuves, mon cher. Par qui? Par qui? D'autres confessions. Vous savez, ça fait rire. Lorsque une personne dit quelque chose et il manque comment le prouver, ça fait rire. Vous savez, au moins. L'ambassade qui est Mokilio, puisque Sonny est Mokilio. Vous savez, si la honte, tu veux, on va enterrer comme un jour. Tout ça, on a pisqué au Kundabat. Les huit confessions, vous avez écouté avec le drone de Doyen Bosco. Il a expliqué au peuple congolais comment il a vidé la procédure. Jusqu'à ce que la cour continue de se prononcer, même. Et vous les savez, les arrêts de la cour sont opposables à tous. Les arrêts de la cour sont incontournables. Alors, inattaquable. Alors, vous savez ces confessions. Vous savez que j'étais surpris lorsque le président Bosco dit que tant que Amemeli Mokonzi Amboka rapport à ces confessions, après avoir fait tout ce qu'il devait faire, Mokonzi Amboka a initié qu'au Sala Nenge, Monina Mokunda Salagate, vide procédure. Pesa Kamboucha, c'est pas yoka. Le président Bosco était là, il y a un bâchi. Il s'est connu à Mokonzi Amboka, tant que Zongi. Apaisé par mon temps, 72, 60, 40, autant de commissions paritaires, ainsi de suite. Nous allons bloquer la République pour des confessions qui sont d'abord reconnues. Vous savez, les huit confessions là, il y a aussi un problème qui existe à l'intérieur. Les deux confessions, ce qu'on a dit, Moubena Michon, parce qu'il n'y a pas importé, parce qu'il n'y a pas l'église, Moko Baye. Ils soient reconnus, ils soient venus des États de l'Amérique, ou venez de l'Italie, et qu'on sort, là où il y a les représentations. Bah, ben, ils m'ont pas parlé de Dakar. Bah, les six confessions n'ont pas parlé par les pères et les mères. Alors, les pères et les mères ne vont pas céder aux caprices des autres. En plus, nous sommes en démocratie. C'est la majorité qui prime. Ils n'ont pas réussi à battre la majorité. Dans quel coin de la République, dans quelle démocratie du monde, admettons qu'aujourd'hui, on aurait accepté la position de 2 sur 6. Le monde entier allait crier, ce serait quel genre de démocratie? Et dans une démocratie correcte, 6 sur 8, il n'y a pas match. Et vous allez dire qu'on va vous êtes pas dit. Non, évitez cette histoire, mon cher ami. Vous êtes journaliste, veuillez investiguer les choses, veuillez vérifier, lisez, regardez le contexte. Bah, il y a élection, il y a encore quelque chose qui est pas de boisson qui m'a mis. Ils ont vu la démonstration des forces. Ils ont compris que bah, l'équipe sont en ligne. L'unique parti les mieux implantés au monde, c'est l'IDPS. Et au l'IDPS est là, les alliés sont venus, il y aura un match. Quand vous avez vu ce moment où il y a eu un match, c'est seulement qu'on a balayé, il y en aura où? Dans quel coin? Dès qu'il y a un autre, ça va. Bah, quand on a un thème, ça peut arriver. Ça peut arriver, okay. Tout ce qui est la République démocratique du Congo, qui a toujours, quand on va être la République démocratique du Congo, malgré tant de sièges, il y a toujours des groupes armés, rebelles, ou pas de quoi, dérangés par une boucle à l'Est de la République.
Mon ami, il faut comprendre bien. C'est-à-dire que yo, tu peux être à mesure, tu as un enfant malade, il va passer pour Dieu, il va passer pour Dieu, alors on se réveille bien, le fièvre des zones, un parent se réveille quelque part, alors, non, la monique, comme fièvre des zones, laissez à soigner. Ce qui propose ces histoires, je me demande vraiment, heureusement qu'ils ne sont pas congolais. Ils sont pas congolais. Comment un congolais peut réfléchir comme ça? Banana Yomoko, tu as ton enfant malade, tu as tes frères, tu as tes parents. Oui, il monte normal. Il le peut soigner même jusqu'au corps. Tu n'as mon temps pour fibre, il y a essayé de l'animer. Moi, j'ai déjà perdu mon enfant. J'ai perdu mes deux de mes enfants. Dans mon parcours politique, un jour, on a brûlé ma maison. J'ai perdu mon fils de 5 ans, il est mort vif. Mais je vous dis, même à l'hôpital, bien que dans ma maman, il y a un moment où mort, j'ai fait ce coup. J'ai demandé ce coup, non, non. Essayez de l'animer. Au moins, il y a un moment où il y a c'est ça, un parent. Je me demande, quel genre de Congolais êtes-vous? Nos amis, nos frères, ils sont attaqués. Le chef de l'État et le gouvernement, basé une disposition, il y a que faire. Yo le binom, le quoi la bassin. D'abord, mode opératoire, il y a le groupe en tout cas. Ce n'est pas encore comme autrefois. Autrefois, parce qu'il est libre, parce qu'il n'y a pas de ils font ce qu'ils veulent faire quand ils veulent le faire. Actuellement, ils se comportent comme des voleurs, comme des gourous. Ils n'ont pas un gars comme ça, ce que Bango va faire. Ils ont un niveau de libre, vous voyez. Vous avez un peu de mal à la mort, ils ont mis des machines pour votre téléphone. Mais les gourous n'ont pas un camp où Bavani qui va faire. Et l'État a dit Bango. Je vous dis, Guerouana et Oumeli. Nous savons qu'il y a déjà des choses, des avancées qui sont sur le terrain. Mais tout n'est pas encore totalement parfait. Et au fil et à mesure que l'ennemi est traqué. Et puis vous savez, guerre aux hommes, on a une guerre asymétrique. Imaginez-vous guerre, et les autres, ça va toucher à l'exploiter, pour exploiter, va minérer. Il y a Mboka Rabiso, illicitement. Mboka et guerre, et les autres, ça va tout, va millionnaire, va milliardaire. Ceux qui ont intérêt à faire la guerre, ils ne vont pas directement croiser les bras pendant que leurs intérêts sont attaqués. Ils vont aussi forcer sur le père. Mais en réalité, un jour, le Congo total entre les mains des Congolais. Ok, merci beaucoup. Nous avons aussi un exemple qui est belé, comme le tel et le siège de la République démocratique du Congo. Donc, il y a un dossier qui est un bloc patriotique, il s'en va, il s'en va, il va y avoir SLC, il va y avoir. FCC va y la mouka. De ce moment, vous êtes les gars. Ah, bah, c'est bon, ça fait de Kinshasa. Bah, c'est bien, on dit ça. Si la limite, on peut nous tamouler, qui t'aime pour la mouka, bien paralysé. Et au bout, il y a la mouka, la limite, on a mouka. On tamouler, qui t'aime pour la mouka. C'est bon, vous allez. C'était un véritable tour de Babel. Il y a eu, vous avez des munitions et vous avez des armes et des munitions qui ne vont pas sur les armes que vous avez. Et quand vous marchez entre vous-même, il n'y a pas d'entente. Personne n'est pour l'autre. C'est quelle marche? Pour quelle finalité? Vous allez me convaincre que. La vie a été paralysée. C'est aujourd'hui paralysé où? Paralysé où? Par des quatre commis. Ah, non. Nous sommes expérimentés à ça. C'est nous qui paralysions autrefois la ville. C'est nous qui faisons les villes mortes. Bah, essayez autant de commencer à voter. Qu'ils essaient qu'il y a une morte. Puisque, phénomène, ma case. On m'en marche. On va voter. Il y a beaucoup de qui vous dit ça? Mais oui. Quand vous comparez Martin Fabio, quand vous me blessez encore, il ne faut pas comparer l'incomparable. Comparez Fabio avec les combattants qui sont 6e. Comparez-le avec les parlementaires debout. Vous le comparez avec les mentors, qui est le père de la démocratie, qui est le père de tous les politiciens congolais. Ça, vous exagérez. Je vous demanderai un peu de retirer ça. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est si. Imaginez-vous Marjouana et Tamouli qui est ministre. Il y a les catholiques qui autrefois dit au président Félix Tshisekedi que l'affaire c'est Kabila, veuillez vous émanciper. Il y a M. Fayoulou
Tu disais que Ngaï, c'est Kabila. L'EF, c'est Kachi. Mais c'est Kabila et M. Félix, ils ont fait. Il y a M. Moïse Katoumé qui dit autrefois qu'il s'agit de Kabila. C'est Fayulu Kabila, catholique Katoumé. Ça, c'est un véritable tout. Je ne sais même pas comment ils ont défini ça. Et quand ils marchent, qui est pour qui? Personne. Donc, c'est zéro. Prenez tous ceux qui ont marché, prenez les marchands là. Comparé avec la quête du chef de l'État, comparé avec les gens de la base, vous allez voir qu'ils n'ont pas paralysé. L'argent a été paralysé les jours que le chef est venu. La ville a été paralysée les jours de la base, puisque vous remarquerez qu'il y a absence sur la ville. C'est ça, paralyser la ville. Vous allez paralyser la ville lorsque quelques personnes vont se protéger dans un coin pour faire les marches de santé, c'est ça, paralyser la ville. Mais de là, mon cher ami, prenez tous ces groupes-là. On vous dit ça va, nous sommes d'accord maintenant. Venez consulter, venez voter par qui? Pour qui? Mais au moins, qu'est-ce qu'ils ont dit, non? Peu de gens ils vont voter pour les cas Kabila. Peu vont voter pour les cas de Fayulu. Peu pour les cas de Katoumé et consorts. Donc, parce que si ils n'ont même pas la chance de sortir, même deuxième ou troisième, dans la proportion des exemples. Au moment où ils arrivent à Séni, ils seront 50e, 70e. Puisque c'est une division à l'interne. C'est un véritable tour de Babel. Vous réunissez les gens qui parlent plusieurs langues, qui ne s'écoutent pas, qui ont des munitions, qui ne font pas sur les armes qu'ils ont. Vous allez dire qu'ils sont unis en quoi? C'est non événement pour nous, les restes. Nous sommes expérimentés, nous sommes avérés. Ça, il n'y a que nous qui le maîtrisons. Aussi longtemps que nous n'avons pas fait encore la remise des prises, avec des personnes qui peuvent nous relever à l'opposition. Mais comme notre mentor avait dit, le jour où l'IDP sera au pouvoir, il n'y aura pas d'opposition. Il y a un gros homme qui a posé la tête. Ils ont Ouais. Il a pris le courage de l'Union sacrée. Il est venu consulter. Il est fait. Vraiment. Ça va, c'est difficile. Ça va, mon gars. Tu veux traduire l'Italie, l'économie, ce qu'on a, le gouvernement Warrior, c'est qu'on communique le budget. Et qui me dit à tout le monde, mais quand on prend la langue première, premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Aboura, c'est pour contester mon bouquet, bon roi dans la vie. Non, 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 Hollande n'y rien. Le premier président, Jean-Marc Aboura, de notre président du parti, il n'a pas contesté les billets, les billets. Ce qu'on a dit, il a même commencé par les versiers. Le premier ministre, puisque le gouvernement de Wario et le premier ministre Samba Lokonde, ils sont premiers à remettre les budgets dans les délais depuis que le pays est pays, la RDC. C'est pour la première fois. Les Wario sont sortis sur. Ils ont remis les budgets dans les délais. Et ce qui s'est passé, c'était quoi? Il y a eu le président Jean-Marc, quand il parlait, ce qu'il faisait, ça s'appelle le réglage. Il est réglé quelque part. Il dit non, les budgets, ok, nous recevons ça. Réglons un peu comme ça. Prenez ça, ajoutez volume Oyo et Sunaboye, puisque après c'est Mingimingi, avantage dans le peuple d'abord, entre autres, social et peuple, éducation, dans armée. Il a même donné l'exemple que dans les États-Unis, au Komona Moutou, ceux qui ont boyé une armée, ils se pendaient autrefois, puisque c'était une affaire. Il a même dit quel parent aujourd'hui peut avoir son enfant licencié. Ah, tu es dans la position armée. Il va trouver que c'est perdre l'enfant. Il n'y aura rien. Toi, tu as volume important, nécessaire, de sorte que, vu qu'il n'y a pas soldat, il n'y a pas policier, vu qu'il n'y a pas enseignant, et paye ça bien, tu vas convoiter le métier ou non, tous les jeunes vont préférer armée. Tous les parents, que j'ai un enfant militaire, c'est une bonne chose. Donc, ce qu'il a fait, c'est seulement des réglages. Il n'a pas refusé les idées. Il a remercié. Le premier ministre, il était avec les billets, mais il avait quelques allégations à l'intérieur, il avait quelques réglages qu'il voulait. Mais en réalité, c'est un travail qui sera fait par l'ECOFIN et le premier ministre pourra justifier la c'est ça. Dire que, après, non, il était très content. Peut-être vos hommes disaient que je le connais avec précision. Il était très content. Merci beaucoup, mon amour. C'est Boni Boni 2023, il est pèse d'eau 2023 à venir. Pardon? Comment vous préparez 2023 bientôt là, 2022 là? L'IDPS n'a pas eu le temps pour se préparer. L'IDPS s'était déjà préparé et continue à se préparer tous les jours. Avec l'anniversaire solide. L'unique parti aujourd'hui qui se réunit tous les jours, c'est l'IDPS, non?
Nous sommes les soirs, commencez par le matin, du matin au soir, toute la journée, les parlementaires debout sont partout. Les parlementaires debout sont d'abord partout. On va arriver à ça, mais je vous réponds en termes de mobilisation, en termes des exercices qui sont en train d'être faits pour l'avion 2023. La masse est conservée. Il y a une communication entre la base et la hiérarchie. Chaque fois que le secrétaire général Augustin Kabouya dit aux Congolais, il dit à la base, à l'Evene, Yamadune, Yassa, Yassa, la base répond comment? C'est ça déjà les signaux forts qui devaient vous faire voir que la base est solide, la base est liée. Nous sommes ensemble. Des petits problèmes à l'interne, ce sont les enfants d'une même maison. Peut-être que vous faites discuter des petites choses. Non, non. Là, il y a un dessin animé. Moi, je vois des informations. Bah, il y a un monde qui est à ta chaîne. Ils ne sont pas divisés. Et quand tu auras à manger, ils vont manger ensemble. Lorsque l'adversaire vient les attaquer, ils vont tous attaquer. Il n'y a aucun problème à l'idée à l'idée de peste. Il y a ce monde qui peut se voir. Qui a déclaré au sol de la même cadre qui n'a pas de l'idée de peste. Tu connais qui? Qui est supprimé officiellement, il y a une amie. Qui? Il y a un peu de temps, il y a des affaires. Moi, je suis en train de vous invoquer. Il a des réserves pour quoi? Il fait face à l'idée de peste. Ce n'est pas facile. Je vous dis, 2023, se prépare tous les jours. Le pouvoir sera conservé. Le parlementaire debout. La ville de Kinshasa, 104 parlements debout. Où est-ce que tu as un tombeau? Où est-ce que tu as un vous avez parmi les bateaux aussi un parlement debout dans la ville de Kinshasa. Vous avez dit que vous avez un debout, vous avez des chômeurs, sans été, tout ça. Ceux qui parlent de nous, ils nous connaissent. Ils ne nous connaissent pas. Quand vous ne connaissez pas la personne, vous voulez tout dire non? Faites tout dire. Vous croyez qu'un parent peut avoir à manger et ses enfants sont affamés? Qui vous dit ça? Non. Ça, c'est une cuisine interne que vous ne maîtrisez pas. Ceux qui ont essayé d'entrer dans ce terrain, ils sont finis, ils se sont limités quelque part. C'est seulement une façon de diviser la base avec la hiérarchie du parti, avec des discours qui ne tiennent pas debout. Nous avons un nombre important de nos amis qui sont déjà au travail, qui travaillent, et le reste, progressivement, ils vont y arriver. C'est tout un champ, il y a toute une procédure pour engager le mécanisme, ainsi de suite. On regarde aussi la compétence, ainsi de suite, puisqu'il ne peut pas engager un chauffeur à la place des médecins, puisque vous êtes des élites, des personnes. On regarde aussi les profils des consorts au fur et à mesure. Et dans l'entretemps, ceux qui ne sont pas au travail, qui sont bien encadrés par le secrétaire général Augustin Kabouya. Qui d'entre nous a souffert et on n'a pas fait soigner? Qui? Donnez-moi un seul nom. Oabera qui? Azoka qui? Non, quand vous êtes malade, le secrétaire général Augustin Kabouya est là. Et puis, vous allez où? À la Chigi. Là où n'importe qui a voté à mon côté. Moi, je vais vous dire l'insécurité qui est là. Quelle insécurité? C'est une grande personne, c'est une autorité religieuse. Son problème est que des fois, il perd sa bande, il oublie, il quitte légèrement sa mission. C'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, qu'il révèle les principes avec son Dieu, qu'il travaille. S'il est dans l'insécurité, comme vous le dites, peut-être par rapport à son Dieu, où Dieu est content de ce qui quitte les champs missionnaires qu'il devait aborder. Mais nous, non. Nous voulons sécuriser en bongo et accepter à ce que Fayoul et les autres puissent marcher. Non. Il n'y a pas cette histoire. Ce sont vraiment des choses fomentées. Ce sont des choses fomentées. Il n'est pas dans l'insécurité. Pour la sécurité, peut-être jamais le bongo. Ce qui est occupé, c'est la police à garder. La police à garder. À ce qu'en sécurité, pour occuper ça. On doit comprendre. Quelle insécurité par rapport à quoi? En bongo, pour que Oyo Fati a la dame na Vatican, tant que Bakeko pèse yé boukonzion. En bongo, Oyo Fati a l'ombre, tongo makasi, koko makomi na mboka posoko la posoko, koya na stade, pona konoer en bongo, tout une insécurité. En bongo, Oyo Bapesa Moutouka, il a déclaré que Bakaka yé me soit cet esprit. Aujourd'hui, il y a comme insécurité. Il est insécurité lui-même, qu'il revient dans l'épreuve avec son Dieu. Il sera dans la sécurité devant son Dieu, puisque premièrement, c'est Dieu qui sécurise la personne. Soit tout le monde qui parle de ma sécurité, c'est toute opposition. Nous sommes en vie pourquoi? Kabila nous tue tous les jours. Mobutu nous a tués. Mouzé n'en parlons pas.
Assisi Bissot, nous sommes en vie, puisque nous avons Dieu. Et les hommes dans Bongo, c'est de retourner dans les principes avec son Dieu. Dieu est amour. À partir d'un certain temps où il y a Zoï dans le monde, sans cause et sans raison. Dieu le quitte. Merci beaucoup, mon amour. C'est ça l'insécurité. Je vais que mes bâtards dans le monde, je vais vous dire que je vais vous dire que Je n'ai pas la chaîne pour plusieurs raisons. Nous avons vécu beaucoup de choses dans le monde des médias. Bah, YouTube comme est belé, micro est belé. Certains parmi nous sont tombés par les micros. Nous avons connu beaucoup de choses. Mais la confiance et les enquêtes et les investigations que nous avons menées pour votre chaîne nous a permis de passer à tout moment où il y aura actualité, beaucoup de gens qui sont pour tout éclairer. Je suis M. Évariste, la bouche autorisée. Mon président Aïe, l'homme du moment, Jamal Kabunda Kabound. Je vous salue en passant. Et pourquoi pas l'étrice générale, Augustin Kabouya, l'arme non conventionnelle. Avec les munitions disponibles, ils ont pour le côté au BT à son ici, coup sur coup. Et pourquoi pas mon coordonnateur, Bilma Yoyamoud, l'intègre. Mais une félicitation à tous les parlementaires de vous. Pourquoi pas tous les amis de la diaspora. Pourquoi pas nous sommes dans le poteau. Et lui qui n'a pas parlé de sa noté. Bah, manager des Français, sinon, tous les amis de l'Europe. Je vous dis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Merci beaucoup. C'est bon. C'est moi qui vous remercie. Okay. Et pourquoi pas vous-même et à votre chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.